Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un parfait twist out. Je vais commencer sur cheveux lavés et séchés. Je vais utiliser cette crème hydratante pour mes cheveux tout d'abord. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même crème que moi, hydratante, mais c'est mieux d'avoir une crème hydratante avant de faire ce genre de coiffure. Ensuite, je vais utiliser ce long peigne pour brosser mes cheveux pour être sûr que quand je vais faire mes twist out et les enlever, j'aurai pas de nœuds dans les cheveux ou pas de boucles qui pourront pas se faire. Ensuite, je vais séparer mes cheveux pour savoir où je vais faire mes vanille coulées. Les vanilles sont vraiment plus simples que les tresses, vous prenez juste deux parties, puis vous les mettez l'une en dessous de l'autre. Puis à chaque fois, si vous voulez faire une vanille collée, vous avez juste à la refaire, à prendre un peu plus de cheveux à chaque fois que vous passez la partie du haut en dessous. Utilisez un petit élastique pour les attacher comme une petite boucle pour avoir les bouts en petite boucle. Vous pouvez aussi ajouter un peu plus de crème hydratante à chaque fois que vous faites une nouvelle vanille parce que ça va juste rajouter encore plus d'hydratation, puis quand ce sera sec le lendemain, ce sera encore plus brillant et un plus bel effet. Une fois que vous avez fini de faire toutes vos vanilles, vous pouvez soit les porter comme ça pendant la journée en les attachant dans derrière, ou comme moi je l'ai fait pendant la nuit pour les enlever le lendemain matin, je vais juste mettre une écharpe en soie sur ma tête pour dormir.
Le lendemain matin, pour enlever les vanilles, vous allez vouloir utiliser de l'huile de coco pour que ça ne vous fasse pas de frisottis quand vous enlevez les vanilles. Et oui, voilà. Défaites les vanilles, c'est plus facile quand vous le défaites au sens contraire que vous avez fait la vanille. So, moi je l'ai fait dans le sens en avant, maintenant je les enlève dans le sens en arrière. Le truc que j'aurais dû faire dans une meilleure façon, ce serait de mettre des bigoudis au bout de mes vanilles, puis de les laisser comme ça, au lieu de les mettre en chignon, parce que là, je vois que les fins de mes cheveux sont pas vraiment bouclées. Après, j'utilise mon peigne pour enlever les traits et pouvoir avoir un volume un peu plus gros. Et vous allez vouloir aussi bien séparer les boucles, parce que parfois il y a des boucles qui sont vraiment trop collées ensemble, donc vous voulez juste les séparer un peu. Voilà, j'ai fini pour cet aspect, mais je n'ai pas fini pour mon look final. Comme je vous ai dit, mes fins sont pas très bouclées, puis j'aime pas vraiment ça. Donc je vais utiliser cette petite élastique pour pouvoir les attacher mes cheveux et avoir un effet d'une petite afro avec un petit chignon en arrière. Et là, c'est fini, c'est le résultat final. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de aimer ma vidéo, aussi de partager. Et merci beaucoup et au revoir.